Bonjour les camarades, aujourd'hui je suis avec ma cousine Naïma. Bonjour Naïma. Salut. Donc tu voulais nous offrir un super resto, mais on a refusé parce Oui. que voilà, on en a marre des restos, des passes sanitaires. Donc tu as décidé de nous préparer un petit plat. Oui, je vais vous préparer de la lotte, du poisson sans arête en fait, hein, mais vous pouvez prendre n'importe quel poisson. Là, voilà, on va se faire plaisir. C'est de la lotte qu'on va cuisiner au four avec de la chermoula. La chermoula, c'est quoi? C'est une marinade hein, de chez nous, d'Algérie. Pour la chermoula, j'aurai besoin d'huile d'olive, d'ail, ici en semoule, mais vous pouvez prendre de l'ail frais, de paprika. Et de cumin, là j'ai pas trouvé, il fallait aller vite, on a trouvé que du curcuma, c'est pas grave. Donc un citron, quatre carottes, alors une tomate fraîche, une cuillère à soupe de concentré de tomate, deux petits poivrons pour la couleur et le goût, bien sûr, un vert, un rouge, et puis surtout, surtout un gros bouquet de persil plat de préférence. Et enfin, de la coriandre qu'on a trouvée ici en sèche, mais si vous la trouvez fraîche, encore mieux. Hein. Donc voilà, on va mélanger tout ça et ça va nous faire notre chermoula, notre marinade pour faire faire tremper notre poisson et nous donner une bonne sauce hein, pour accompagner notre plat. Voilà. Je commence à couper le persil très fin. Alors, j'ai coupé le persil très fin et je vais ajouter une cuillère à café d'ail moulu, voilà. J'ajoute aussi une cuillère à café de paprika, voilà. Et une cuillère à café de cumin. La cuillère à soupe de concentré de tomate. Le jus d'un citron. Un demi-verre d'huile d'olive, de coriandre, hein. Ouais, on va dire c'est l'équivalent de cuillères à soupe de coriandre. Ou plus 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe 3-4 de cuillères coriandre. à soupe. 3-4 cuillères à soupe de coriandre. Un quart de cuillère à café de sel. Donc là, tu mélanges bien. Je mélange bien. Je coupe mes carottes en lamelles longues. Alors, c'est bon, c'est prêt la chermoula, Oui, la hein? chermoula est prête. Voilà. D'accord. Elle est bien Les cuite. carottes sont Oui, prêtes, elles mais sont pas prêtes, cuites pas cuites. encore. Oui, Ouais. on les met comme ça. D'accord. On les pose. On prend notre lotte et on l'incise un peu pour pouvoir lui rentrer de la chermoula. Tu vas l'introduire à Oui. l'intérieur. J'ai retourné, donc Tu la retournes là, oui, oui, tu j'ai la retourné le retournes. poisson et puis je Dans l'autre refais sens, encore dans l'autre pareil. sens des incises. Je mets un peu de chermoula sur les carottes et je mélange. Donc là, tu l'as posé dans le Oui, plat, je pose mon d'accord. poisson et puis voilà, j'essaie de rentrer un peu. Donc tu l'introduis là où tu as incisé. Oui. La particularité en fait à chermoula, t'as pas incisé en deux le poisson comme on a l'habitude de faire. Non, T'as parce qu'il... procédé comme avec le gigot, quoi. Voilà, il y a beaucoup de viande, donc on peut se Ouais. permettre de faire des Comme un incisions gigot, comme un quoi. Ouais, gigot. d'accord, Et ok. C'est ça... génial, Oui. hein. Voilà. Donc là, on va la laisser prendre... S'imprégner de. S'imprégner. Ouais. On peut la laisser une nuit ou bien on peut cuire tout de suite hein, si on veut, mais c'est bien aussi de la laisser mariner comme ça. J'ai juste préparé les poivrons Ouais. coupés en rondelles qui viendront décorer demain le plat avec les rondelles de citron et les rondelles de tomate. Alors, donc là, on va tout recouvrir avec un film et mettre au frigidaire pour laisser mariner. Voilà. Durant la... Nous voici le lendemain. On va retourner notre poisson. Comme ça. Elle tient Alors, bien. ah, bien sûr.
Voilà, tiens bien. Voilà, et maintenant on va faire notre décoration. C'est très beau. J'ajoute la tomate suite au poivron. Ouais. Ça va être bien juteux, hein, c'est ça. C'est très joli. T'es pour l'Italie ou quoi, on dirait? Bah oui. L'Italie. T'es contente qu'ils aient gagné l'Angleterre? C'est aussi l'Algérie, regarde, il y a du blanc là. Ouais, hein. Mais l'Italie, là, je la vois bien. Hein, contre l'Angleterre, on dirait. Hein. Il y en a un qui va être content. Voilà. Donc, tu arroses encore, ajoutes un petit arrosage. Avant de mettre les citrons, parce que les citrons, on va pas se les salir. Voilà. Juste. Et le citron, pour ceux qui en voudront encore. Oui, voilà. Décorer aussi. J'ai préchauffé mon four. Préchauffé à combien? Le four, c'est 180. À fond, oui, à 180 à peu près. Oui. Et puis après, on fait cuire aussi à 180 pendant 45 minutes maximum. Oui. Regardez votre. Surtout les carottes si elles sont cuites. Donc là, tu l'arroses avec sa propre sauce, oui, de temps en temps. Sa propre sauce, oui. Ouais.